Allez, salut tout le monde les gens, et bienvenue pour ce cinquième épisode de Spyro le Dragon 2. Donc, hop, bizarrement, check, je vais relancer, hop, il ne marche pas, je vous remets l'analogique, hop, parce que si l'émulateur veut pas qu'il fonctionne, c'est qu'il y avait un problème. Donc voilà, tout va mieux. Donc, je vous ai laissé devant cette porte. Donc je vais rentrer dans Zephyr, qui est un monde. Hein. Maintenant il n'y a plus de zone où il y a de boss, c'est plus des noms de boss. Avant c'était Zephyr aurait pu faire penser à un nom de boss. Voilà, donc là on est dans le monde des, on va dire des canonniers. Hop, on va tenter de récupérer tous les joyaux comme d'habitude. Je dis bien tenter, hein. Oula, ceux-là maintenant, ceux-là tirent de loin. Il y en a qui tirent en l'air, il y en a qui visent de partout. Là, il fallait faire attention en dessous, comme en dessous. Hop, on va récupérer celui-ci. Voilà. C'est par ici, on peut. On est encore un peu libre d'aller un peu où on veut, hop. Même si c'est un endroit fermé, hop. Oula. Il nous tire d'en dessus, hop. On continue. Hop. Et là, un canon. S'il ne sait pas l'utiliser, c'est que il a un souci. Hop, là, il fallait bien se placer droit. Non, peut-être pas. Ah oui, d'accord. Je ne me souvenais plus qu'on pouvait régler le canon. Trop. Encore trop. Encore trop. Toujours trop, mais qu'est-ce que... Ah, hop. Et voilà. On va aller récupérer. Hop, la suite. Là, en fait, il faut passer par là-bas. Parce que pareil. Ah non, ici. Ah oui. Je me souviens, il y avait des portes à casser. Ici, en fait, c'est peut-être pour moi. Ah non. Non, en fait, on... Le... D'accord. Le coffre, quand il s'éclate, il laisse échapper tous les joyaux par terre. Bonne idée. Donc on va voir si on peut passer ce qu'il y a par là. Trop. Nickel. Là-bas aussi c'est une porte. Trop. Toujours trop. Et voilà. Bon, là, je vous fais dire, j'ai un peu... difficulté avec le stick parce que le stick sur ce canon a un peu hop un peu de difficulté à monter. Non, c'est pas, j'accuse le stick comme d'habitude, on accuse toujours même chose. Ah, je pense que vous vous souvenez de la TNT pour les derniers niveaux du premier Spyro, ils l'ont ressorti pour celui-ci dans ce niveau. Tac. Ils l'ont ressorti, mais sauf que là on a plus, on joue plus avec la dynamite. Hop. Donc là il courait après le ver de terre, mais le ver de terre on s'en sert aussi. Hop. Voilà, hop. Aïe. Voilà. Donc hop, on rejoue. Attirer sur. Voilà. Là-bas, c'est la porte, et comme on peut le voir, on a... Hop. Je vais tenter de la voir comme ça.
loin. Trop loin de lui. Voilà. Hop, on récupère ces derniers joyaux. Aïe. En plus, je l'ai vu venir. Voilà. Je sens que par ici, il y a quelque chose d'intéressant. Ah, et je pense qu'il va y avoir un canon pas loin. Hop. Un petit saut. Un petit saut. Hop, et voilà. Et vous voyez, ça rappelle très légèrement le un des derniers niveaux de Spyro, le dragon. Hop. Voilà. Alors là, je vois qu'il y a aussi les... Il ne sert pas grand chose en fait. Je croyais que ça pourrait être une quête parallèle, mais non. Parallèle. Oui, on dirait parallèle. Au lieu d'annexe, hop. Voilà, faut vraiment. Voilà, c'est trop loin. Encore trop loin. Voilà. Je pense qu'il y a des petites quêtes annexes ici, mais j'ai dû les rater. Bon, tant pis, je vais quand même pas oublier ces joyaux. En train de me dire qu'il y a peut-être quelque chose par là-bas. Non, c'est là, c'est d'où j'en viens. Ah, il y a des trucs ici. Ah, apparemment, il y a une quête ici. Bon, c'est vrai que. Hop, on va aller. Je m'appelle Bobby. Ok, il s'appelle Bobby. Il a perdu ses vaches choux. Je pense qu'on peut les souffler pour les ramener à la maison. Ah oui. Ça rappelle un peu la quête des poules de Ocarina of Time. Hop. Où il faut ramener. Et je vais grimper. Il y a peut-être. Ah. Oula. On me tire dessus. Ah, et là, vous voyez, comme dans un niveau, il y a ces fameux. Hop. Ces fameuses jarres avec un point d'interrogation. En fait, il faut juste les suivre pour pouvoir avoir des joyaux. Hop. Donc, ça, c'est encore une nouveauté du jeu. La recherche dans le niveau du. Par où c'est qu'ils vont. Je suis en train de me dire, est-ce que je vais tenter de faire la quête en avant. Je vais casser ça. Ah, il me rate. Hop, je vais aller en face pour les récupérer. Hop, je suis en train de réfléchir. Est-ce que la quête. Oui, je vais la faire. Je vais tenter de voir pour ces petits vachous qui sont là en bas. Et si on leur envoie ça? Ah, ben voilà. Oula, oula. Là, ça a été un peu mauvais. Hop, voilà. Nickel, il est tout en haut. Pourquoi je retire dessus? Je vais aller voir pour l'autre, le suivant qui va avoir le même droit. Ah, si tu te... Mais je vais me mettre là ici, comme ça tu ne bougeras pas. Voilà, une vache éléphant, c'est toujours rigolo. Hop, hop. La suite. C'est bon, on va passer par ici. Je pense que je suis obligé de tenter de voir pour la jarre. La suivante, je ne vois pas du tout où aller, mais on va tenter de la voir.
Hop, je vais essayer de récupérer celui-ci. Voilà, 1,25 en plus. Je vais essayer de tenter de faire attention parce que si je leur balance ça, ça va leur faire mal. Et elle risque d'aller trop loin. Donc allez, hop. Avancez mes petites. Avancez, hop. Voilà, par là, par là, par là. Non, non. Je me souviens plus, mais comme je disais, ça me fait penser à la quête des poules en Ocarina of Time dans le village. Hop, donc je pense que le jeu était sorti à la même époque. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être des similitudes. Est-ce qu'on va aller par là? Donc ici il y en a encore une, et il y en a encore une là-bas, j'ai cru voir. Ouais, donc elles sont toutes dans le coin. En fait, les plus difficiles étaient à l'endroit où je suis allé. Tac. Je vais tenter de finir cette quête qui a l'air plutôt simple. Tac. Voilà. Je crois que je me souviens plus, mais je crois qu'il y avait, il y en avait deux de quêtes dans, ici. Donc je crois qu'après, je suis pas sûr, mais je crois qu'après, il y a la suite des vachous, où il faut en ramener un peu plus, je crois. Je vais vérifier, de toute façon, c'est la dernière. C'est drôle, hein, ces vachous ne deviennent pas de la viande. Hop. Merci Spiro. Voilà. Encore une sphère en plus. Il reste encore deux vins. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Il y en a deux en plus et je parie qu'elles sont en direction de cette grotte. À part si. Non. Quelle est la lumière qui émane? Il y a plein de petits clins d'œil dans ce truc, je me souvenais pas du tout. Hop, est-ce qu'on peut descendre? Oula, oui, on peut descendre. Toc, je récupère ces joyaux. Hop. Tac. Ah, ben voilà. Ça sent la graine qui fait pousser quelque chose. Je vais continuer par là pour voir s'il n'y a pas l'autre vachou. Elle est là-bas au fond. Ah, il y a le professeur et je crois qu'il aide pour la quête qui est ici. Apparemment, je pense que oui. Ah, le professeur est un peu de partout. Il est dans cette zone-là, comme dans celle-là. Ah, je vais récupérer les joyaux. Comme ça, je les oublierai pas pour la suite si j'en oublie quelques-uns. Comme vous voyez, comme je le dis à chaque épisode, maintenant on le voit plus en jeu, on le voit dans. Ah, je me tape dans le truc. On le voit dans le carnet. Donc je vais parler au professeur. Hop, voilà la fameuse graine que on pouvait voir tout à l'heure, donc on peut voir ce que ça donne. Ça donne des plateformes. Hop. Et apparemment je crois, voilà. Voilà, il fallait ressouffler pour avoir... En fait c'est une graine unique. Juste se mettre dessus. Je vais tenter quelque chose de voir. Je suis dessus. Voilà. Hop, on va voir si en restant dessus,
triche un peu. On va récupérer cette graine. On triche un peu. On va essayer de récupérer le plus de graines possible. Ça peut toujours aider. Hop. Je vais refaire la même que tout à l'heure. Non. Raté. On va retenter. Il veut pas, va falloir que je trouve une autre graine qui doit être dans le coin. Oulala. Qu'est-ce que ça m'a fait? D'accord, ça m'a fait une autre plateforme. Hop. Allez, tenter de récupérer une autre graine, une que j'ai vue au début. Pas ici, ici. Je pense qu'elle sera utile. Voilà. Nickel. On va aller la récupérer et on va aller faire la plateforme qui est que vous avez vue là-bas. Je vais tenter, hop, de finir. Là aussi, je pense à ramener les vaches. Je pense à ramener les vaches. Je vais faire cette quête de masse. C'est en bas. Je me trompe. Hop. Ah. Sur émulateur, c'est un peu de mal à être récupéré. J'ai pas fait dans l'ordre. Je vais monter, monter, monter. Et en fait, voilà, une graine en plus. Et là, je crois qu'il faut viser à celui d'en bas. Vais-je bien viser? Verdict. Bingo. Hop. Ah, là, on m'attend. Dans un accueil chaleureux, mais hop. Hop. Non, 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 non. Hop. Ah ben, je pense qu'on peut tirer que sur celui-ci, je pense. D'accord. Je pense qu'on peut aller que par là. Parce que je vois qu'il y a le professeur là-bas en face. Et là, hop, on va en face. Tac. Là, je pense qu'il faut atterrir ici. Voilà. Bravo, mon garçon. Voilà, on a la sphère de demi-parcours. On va aller en face. Je vais aller voir ce qu'il y a là-dedans avant. Je pense que c'est pour monter en fait. J'ai bien fait de le prendre, sinon j'allais cracher là. Je pense que je fais une erreur, mais. Je fais une erreur. Je vais faire un truc qui je pense va être bien pour m'aider. Hop. Tac. Je vais l'envoyer ici. Je vais souffler celle-ci. Non, tu ne la récupères pas. Trop près. Voilà. Vous voyez la belle action qui fait quand il l'avale. Hop, je récupère, je récupère. Je balance ici, oui. Je vais faire une bêtise. J'allais l'envoyer en face. Bon, ça aurait marché tout aussi bien, mais pas autant. Hop, donc voilà. Voilà. Et voilà. Et là, la quête est terminée. Après, je m'occuperai des vaches.
Et voilà, en fait, il faut aller jusqu'à... Hop, voilà. Vous avez pu voir le clin d'œil avec Roméo et Juliette. Un oiseau amoureux d'un... Je sais pas ce quoi ça ressemble, on dirait un crapaud, je sais pas, quelque chose comme ça. Bon, je vais tenter de ramener les vachous au bercail, mais je sens que ça va être difficile. Alors, où est la vache? La vachoune. Hop, la vachoune. Hop, donc. Ce que je vais faire, c'est que vu que bon, je réfléchis, mais je pense que comment je vais faire passer cette. Je suis en train de me demander comment je fais passer en face, en fait. C'est ça la chose. Je vais déjà la faire monter et voir comment je peux la faire passer de l'autre côté, en fait. Que je peux les prendre la flamme, mais c'est ce que je veux demander. Je vais me mettre ici plus le. Non. Non. Je suis en train de me demander est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour m'aider ici? Je vais tenter de voir un truc, me souvenir un truc peut-être. Est-ce que c'était ça? Un jeu. Où est-elle? Ici. Non, ne bouge pas trop. Ah. Oui, je lui crache la graine pour voir si ça lui fait quelque chose en fait. Non. Ça lui rebondit dessus. Bon, tant pis, je vais. Je vais essayer de voir en fait vite fait un truc. Et après, je vais vous laisser parce que c'est la fin de cette première partie. Hop, je vais donc. Voir si. Où est-ce que cela m'emmène? Ah bah voilà le. Malheureusement, bon, je saurais que c'est par ici. Malheureusement, je serais obligé de. Oula. Où vais-je? En fait, ici, je pense y être déjà passé. Ah oui, c'est le passage de qui m'emmène ici pour la fin. Je vais aller vite vérifier, voir si je peux en fait aller vite prendre les. Ça, je pense que je vais perdre du temps. Donc je vais vite faire un. Je vais quand même tester et après je vous laisserai là-dessus. Du moins je sortirai du niveau, je reviendrai plus tard. Je pense que j'ai fait une. Non, c'est bon. Je pensais avoir fait une erreur, non. Non, j'aurais pas vraiment le temps, je pense, d'aller jusqu'à de l'autre côté. À part si. Non. Je pense qu'il y a une autre tentative à avoir. Oh, peut-être que. Non. À part si. Ah ah ah. J'ai une très grande idée, mais je la ferai plus tard. Donc, en fait, bon, je vais quand même vous le dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre les vaches ici. Et je vais, vous avez vu que j'ai assez le temps, assez de temps, pardon, pour revenir ici et donc envoyer avec mon super souffle les vaches ici et donc les ramener tranquillement au bercail. Donc, je vais aller faire ce que j'ai dit. Je vais aller commencer à les rabattre en fait et je pense que. Allez, viens ici. Au départ je voulais pas le faire et puis en fait, vu que j'ai eu cette idée, dont je pense que c'est la bonne, du moins j'espère. En espérant ne pas faire de bêtises.
ces vachous me font tellement pitié que il vaut mieux les aider. Donc voilà pour la première. La seconde est par ici. Qui vient ici, ma petite. Voilà. Allez hop. Donc, désolé, c'est pour que tu avances plus vite. Non, par ce côté. Ça ira plus vite. Voilà. On va te ramener. En espérant que ça reset pas, mais bon. Vu que c'est un jeu en 3D. Oh. Je viens de penser à quelque chose en fait. Je pense que j'allais faire une grosse erreur. Hop, on va en voir. Je pense que. Oui, j'étais en train de. J'ai vu que j'avais. Vu que j'avais fait cette l'erreur. Hop, j'ai craché ce truc. Voilà, en fait, le coup de corps n'est plus puissant que le coup de flamme. Et j'allais faire une grosse erreur, donc j'ai perdu du temps pour rien. Mais bon, c'est pas grave, au moins une erreur permet parfois de voir qu'on peut trouver la bonne solution. Voilà, on va essayer de faire attention qu'elle rebondisse pas sur la vache ou sur les personnages. J'ai l'impression que l'autre est bloqué. Voilà. Et voilà, on va vous ramener au bercail, mesdemoiselles. Hop. Je pense que. Du moins, je pense que c'est mesdemoiselles, que je dise pas de bêtises. Je vais ramener aussi l'autre, comme ça, on fera tout en même temps. Hop. Ah, elle est bloquée dans le machin. Voilà. Encore, encore, encore. Non, pas dans le mur, je voulais aller par là. Tenter qu'elle se mette pas près du bord pour pas que je fasse de bêtises. Elle rebondisse contre les murs donc. Et voilà, deux, une, un, toi, par là. Non, tu veux pas? Et voilà. Le vieux chapeau. Hop. Ah bon, ici je n'aurais plus à venir chercher les sphère, hop, je vais aller chercher les derniers joyaux, mais je sais que le dernier était. Est-ce que je fais la jarre ou est-ce que je ne fais pas la jarre mystère? Je vais. Je. Oh, il faut que. Malheureusement, il faut que je redescende. Je vais aller la faire. Parce que je sens que ce niveau va être encore terminé. Comme ça, je n'aurai pas à y retourner par rapport aux autres. Tac. Je pense qu'on peut aller que par là. Je me souviens plus où est sa position. Ah bah. En fait, je pense qu'elles sont proches les unes des autres. La suite. Ah bah, c'est tout au début. Donc, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Je reconnais que c'est tout au début parce que c'est le dernier. Et voilà, vous voyez, celle-ci n'était pas très difficile. Je vais quand même vérifier dans le carnet combien il m'en reste. Il m'en reste pas beaucoup. Je pense que les dernières doivent être à la fin. Je vérifie quand même dans les alentours si j'en ai pas oublié. Vous voyez, j'ai bien fait de refaire demi-tour. Laisse-moi quand même le temps de regarder. Non mais c'est qu'ils sont hargneux et c'est vos tours. Donc on peut passer. Je regarde quand même par ici. C'est bon.
Ici c'est où je dois aller pour terminer. Je vais tenter d'aller voir la fin. Voilà, on voit qu'il y a des petits. Il y a des. Ouais, je suis perdu. Non, c'est par là. La montée est par là. Tac, on va y aller. Ah oui, il y en a un ici que j'ai oublié. Je regarde au-dessus s'il n'y en a pas. En bas, il n'y en a pas. J'en ai pas oublié, non. On va aller voir si en prenant ces derniers. Et ben voilà, c'était les derniers. Et vous voyez, j'ai le talisman. Et voilà, j'ai fini ce monde, je n'ai plus à y retourner. Hop, toujours très très cartoonesque, c'est ces petites cinématiques. Voilà, hop. On va aller faire la suite, donc je ne sais plus quel est le niveau. Je vais prendre par ici, je sens qu'il y a. Ah, il y a un portail. Ah non, ah oui, donc ce portail, c'est pour aller. Au vol, donc les vols pareils sont toujours utiles pour donc ici celui-ci j'ai fait. Ah, il y en a encore un ici. C'est quoi? Port de Brise. Allez hop, on va aller au port de Brise. Toujours une erreur de sauvegarde, mais je pense que le thème de cette cinématique vous rappelle. Vous rappelle un peu un des niveaux de Spyro le premier. Hop, je vérifie quand même derrière moi. Pour rappeler plein de. Il éteint le feu. Je pense que ça doit servir à être allumé. Et ça doit servir pour une quête. Ah non, ça sert pas que pour une quête, ça sert à. Ah, il doit y avoir des. Une quête annexe là derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire quand même la quête principale. Excuse le désordre. Je vais raviver le feu. Ah ben non, en fait, il se met dans une plateforme là pour pas être attaqué. Ce n'est pas une mauvaise idée. Oula. Il y a des ennemis coriaces à pic. Ah, apparemment, on peut les tuer avec des canons. Ici aussi, il y a des canons. Mais je veux pas dire, mais les ennemis qui sont ici ressemblent bizarrement à ceux du niveau d'avant que je devais aider. Est-ce une autre variété de. Ou est-ce des cousins? Je ne sais pas. De 1. Ah, ça doit être pour une quête. Je vais essayer de récupérer ce machin. On peut le détruire celui-ci aussi. Je vais essayer de le l'avoir d'ici. Hop, en allant un peu plus loin. Je suis peut-être un peu trop loin. Tout près. Je suis en fait, il tire un peu loin. Je vais descendre encore.
Voilà. Donc là, je pense que je les ai. Hop. Là, ça devrait être bon. Ici, on va allumer l'eau. Hop. On va aller dans l'eau pour Duc. Ah, où sont les joyaux? Ah. Je me disais bien qu'il y avait des joyaux dans le coin. Hop. La lave, je regarde quand même s'il n'y a pas quelque chose derrière. Non, c'est bon. Monsieur le pompier, désolé. Hop. Tac. On récupère encore les joyaux. On s'occupe de la. Ouh là là. Erreur. Je suis allé trop vite. Erreur, erreur. Donc une vie en moins. On commence d'ici. Est-ce que ça récupère les joyaux? Ah oui, les joyaux. Les joyaux, pardon, sont enregistrés. Directement. Ça, c'est pour les attirer. Je vais aller un peu plus vite pour faire attention. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas d'autre endroit où je puisse aller. Non, c'est bon. Tac. Oh, il y a une vie. J'en ai perdu une récemment. Ça sent le hackette ici. Je vais spammer. Est-ce que je suis bon? Non, j'ai pas l'air d'être bon en fait. À part si je tire mal. Hop. Voilà. C'est bi. Ah, j'allais dire c'est bizarre. Il y en a encore un. C'est tout? C'est tout. J'en ai 5, donc je pense qu'il y a une quête là derrière. Voilà, hop. La vie que je retrouve après en avoir perdu une. Là, il faut 14. Hop, hop. Là, ça sent la catapulte. Ça sent la catapulte. Ah, mais j'ai oublié ces joyaux. On va les récupérer. Hop, hop. Toujours 14. Je pense qu'il faut que j'aille en face. Hop, je vais récupérer ceci. Encore une vie. Oula. Souffler dessus. Ah, il y a un sac de joyaux là-bas. Je pense qu'il faut que je me mette sur la catapulte pour être envoyé à la suite. Voilà. Donc là j'en ai 14 comme on peut le voir. Voilà. Je pense qu'il faut le rattraper celui-ci. Voilà. Celui-ci fuyait trop rapide. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Ah voilà. Je pense qu'il faut réactiver ce bateau. Et voilà. Pour qu'il grimpe. Par contre, j'irai voir cette arche qui m'intrigue. Je me souviens plus qu'il y a quelque chose. C'est dans quel sens? Par ici, non. Ah. Il y a des choses par là-haut. Ah, il y a tout un autre.
points dans ce nid. Ici, donc, ici c'est la fin, mais il y a plein de niveaux là-haut. Merci d'avoir remis nos... De rien. Désolé de ce petit lag, mais c'était une sauvegarde interne. J'ai préféré appuyer pour pouvoir être tranquille et être sûr que si ça plante. Ah ben non, en fait, c'est. Je croyais, je me suis dit, est-ce que c'est un. Non, en fait, c'est un. Voilà. Ah, apparemment, il y a une quête. Je vois qu'il y a un pélican. Du moins, je pense que c'est un pélican. Oui, c'est un pélican. Hop. Cinquante engrenages, d'accord. Je crois que ça... Ah, d'accord. Ah oui. Encore une nouvelle... Oula. Le chariot te pose... D'accord, on peut sauter et... d'accord. Donc voilà, ça c'est une nouvelle particularité dans Spyro, des petits circuits. Non, il me pose pas problème, c'est juste que j'ai pas tiré au bon moment. Ça n'est pas grave, on recommence. Hop, j'ai récupéré les joyaux. Hop. Ok, non. Je vais recommencer. Ce panneau me pose problème. Oui, non, c'est... C'est pas que mon... Le chariot qui me pose problème, c'est... Mon cerveau qui n'a pas fait le... Qui a... ne s'est pas souvenu qu'il fallait sauter. J'ai pas tiré au bon moment. Non, il ne me pose pas problème. On va. Tenter de réussir. Ah non, mais en fait, je pense que. D'accord. Non. C'est moi qui fais n'importe quoi. Bon. On va se concentrer. Voilà. En fait, il faut changer de voix au bon moment. Je crois que j'ai fait une grosse erreur. Voilà, en fait. Voilà, on peut changer de voix. Comme vous pouvez le constater. Hop, hop, voilà, ouf. Hop, je vois que c'est la fin de cette première partie. Mais je vais, hop, faire en sorte... Ah, j'ai fait une erreur, bon. Difficulté, c'est quand même grande difficulté. Bon, je reviendrai plus tard, je vais finir... Je vais quitter ce niveau. Ah, il y a des joyaux ici. Je vais quand même vérifier où en suis-je en ce niveau. Il m'en manque une cinquantaine. Et il me manque deux sphères. Bon, tant pis, je vais hop, m'envoyer. Voilà, ici. Voilà. Bon, je vais sortir de ce niveau. J'irai faire le prochain. Je reviendrai de toute façon pour essayer de finir à 100%, même si ça va être très dur. Je le sens. Hop. Là, on ramène quelques joyaux, même s'ils vont plutôt servir à gros sous pour la suite. Yo,
recueillis par les moutons. Non, vous voulez pas, bon, tant pis. Donc voilà, c'est sur ce cinquième épisode. Donc vous avez vu, on a fait deux niveaux, hein, ce qui a été un peu plus rapide, dont un qui a été fini totalement. Donc là, je vais aller me poser sur la suite. Donc là, c'est le téléporteur pour la contrée d'avant. On va juste grimper ici. Allez, mon petit dragon. Tac. Est-ce que je monte encore? Oui, je vais encore continuer à monter. Hop. Là, il faut sauter. Pour aller plus vite. Voilà. Non, tu veux pas monter? Si. Donc voilà, donc on va aller se mettre devant le prochain portail. Donc brasier, et je crois qu'il y en a d'autres par là-bas. Ah, il y en a encore un par là-bas. Donc je vais aller mettre devant celui-là. Et je vais vous dire au prochain épisode, qui sera l'épisode 5. On était l'épisode... non. Non, nous sommes à l'épisode 5. Donc ça sera l'épisode 6. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.